Ça faisait à peu près 2 semaines que je ne me sentais pas bien, que je suis allée à l'hôpital. C'était confirmé, c'était un cancer du sein à l'état 2. Je suis une mère monoparentale. J'avais besoin d'être vivante pour mes enfants. La chimiothérapie, c'est quelque chose vraiment de très difficile à surmonter. Et j'ai trouvé des ateliers. Donc, on a partagé, on échangeait nos perroquets, on riait, on pleurait aussi, ensemble. Et on s'encourageait. Donc, ça a été vraiment pour moi, wow, vraiment un appui extraordinaire que j'ai eu de la Fondation. Pendant tous les traitements, pendant les chirurgies, pendant les journées que tu te sens mal, pendant les journées que tu penses que je ne serai plus capable, je pense que je vais mourir aujourd'hui, le soutien, c'est primordial. Les gens ne comprennent pas parfois qu'un don peut changer une vie. Le fait que les gens te disent « lâche pas, il faut que tu continues, il y a une vie qui t'attend, il y a beaucoup de choses que tu vas manquer si vraiment tu ne prends pas la chance de continuer. » Aujourd'hui, le cancer pour moi, c'est un souvenir qui m'amène à penser que tu peux surmonter n'importe quoi. Et ça te donne l'espoir à nouveau. C'est super important. Vous pouvez recommencer à vivre.